Bon, Bruxelles, allez, on va continuer cette soirée. J'ai trouvé. Ouh, putain, je me suis dit, qui peut aider Jérémy Ferrari, qui, machin et tout. Et en fait, Artus, par exemple, il peut rien pour toi. J'ai fait appel à Victor. C'est qui, Victor? C'est moi, Victor. C'est mon vrai nom. Tu sais, on prend tous des noms de scène. Toi, c'est Ferrari, c'est parce que t'aimes les grosses bagnoles, les putes, t'es un beauf. Mais c'est, tu vois... Mais c'est pas ton vrai nom. C'est quoi ton vrai nom? Ferrari. D'accord. Ben moi, c'est un nom de scène. Voilà. Et par contre, j'ai été Géo Club Med. Ah, oui, oui. Voilà, et on m'appelait Victor. Vittorio, perché? Perché parle italiano, si. Ciao, buona serata. Comment ça? Hop, hop, Olive. Tu vois? Ouais. Hop, ça se dit pareil. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener. Tu peux pas. Tout le monde kiffe le Club Med. Tu peux pas ne pas t'ouvrir quand t'es au Club Med. D'accord? Viens, pardon, viens sur mon épaule. Chabit! Wow! Tu vois? Bienvenue au Club Med. Là, ouh, mais j'allais oublier les accessoires, dis donc, Club Med. Regarde-moi ça, parce que bon... Non, ta gueule. Regarde. On va te mettre ça, comme ça, tu vas être tout beau. Regarde-moi ça. Ben alors, regarde-le comme il est tout beau. Non, j'ai pas mon collier de fleurs, je l'ai fait tomber. Écoute, déjà, t'es très belle comme ça. Regarde, hein. Donc là, imagine-toi, Jérémy. Là, on est au Club Med, on est au bord de la piscine. Ouh, il y a des petits culs, dis donc, regarde-moi ça. Comment elle va? Je l'ai baisé. Eh ben, galop 8. Chabit, hop! Toujours sur ses appuis au Club Med, attention! Chabit, je peux le doubler, je m'en branle! Je fais ce que je veux, je suis Géo, gentil organisateur! Et ce qui est bien au Club Med, c'est que c'est open bar, ça. Oh, regarde, hop, ils sont pour qu'il ait de cocktails, là! Hein. Regarde-moi ça, tu peux en boire toute la journée, tu peux te bourrer la gueule, c'est gratos! J'ai arrêté de boire. Il a arrêté de boire, allez! On fait des cocktails aux fruits! Oh! On tient, Andrea! Andrea, puoi fare per i miei amici? Je parle vraiment italien. Tu peux lui faire un... c'est un truc à base de fruits, tu vois, c'est chambé. Un fruit on the pool. Pool. Non, y a rien, c'est du mime. Faut vraiment que tu projettes. Tu lui fais un fruit on the pool. Pool. Voilà. Chabit. Ouais. Y a des combos à faire, tu vas voir, mais ça, faut avoir déjà 2-3 années de club. Et là... Ouh, regarde-moi ça. Ça, c'est Cynthia. Prof de jet ski, on est tous dessus depuis une semaine. Hein. Cynthia, elle m'a eu en plein cœur, Cynthia. Mais il y aura vengeance. Bah, c'est pas un vrai arc, hein. Faut vraiment que tu te... Ouais. J'ai un peu de mal, messieurs. Ouais, je sais, parce que le mime est balèze, mais voilà. Là, bah, Cynthia. Ah, d'ailleurs, parlant du tir à l'arc, pensez à vous inscrire. Hein, parce qu'après, vous venez me voir, dis-moi, mon Vico, il n'y a plus de place pour le tir à l'arc. Ouais, mais faut s'inscrire. Parce que je suis passé il y a 2 jours, j'ai pas vu que des Peter Pan. Il a pas d'arc, Peter non, Pan. Non, j'allais ouais, dire, il a pas d'arc. Je suis de me dire. Des Robins des Bois. Ouais, arrête de me branler. J'habite. Voilà. Je pense qu'il est temps d'emmener Jérémy faire un voyage direction Le Bonheur. Ladies and gentlemen, please welcome to the vol pour 997 à destination du plaisir. Installez-vous confortablement parce que ça va zouker. Et c'est parti, on décolle tout doucement. Voilà. Ça, c'est le Club Med, Jérémy. Voilà. On va commencer par un petit échauffement. On réveille les muscles, c'est le matin, tranquillement, voilà. Et on décale. Allez, doucement. Voilà. Ceux qui étaient là l'année dernière, on peut tenter la brille. Mais attention, c'est pas tout le monde, hein. Voilà. C'est vrai, ça c'est un coup à se faire un claquage. Allez, Jérémy. Oh, ça monte, je le sens, putain. Il est en train de... Ah, il boue, attention. Allez, Jérémy. Fais monter Jérémy, tu l'entends? Laisse monter la scène, monte Jérémy. Oh! Allez! Arrête. Non, ok. C'est pas sa chanson, y'a pas de problème. On a tous une chanson, on va la trouver. Tiens, vas-y, on voit autre chose. Peut-être plus ça. Peut-être plus les îles comme ça. Viens. Tu veux au plaisir? Ça te fait penser à quoi, mon Jérémy? Ça, mon prof de théâtre. Là. On va passer à la suivante. Oh, le salaud, il m'a cueilli, là. Ouh, il a mis ma préférée. Là, je suis inarrêtable. Tu peux lui dire, hein, tu peux lui demander de l'arrêter, il va arrête, pas l'arrêter. Arrête. Non, Jérémy, je suis inarrêtable. Ouh, écoute les paroles comme c'est profond. Écoute ça. Et ça monte. Jusqu'à ce que mon petit cœur, il chante. Et ça fait bim, boum, ça fait...
Ok. Non, c'est pas celle-là non plus, y'a pas de problème. C'est dur, hein. Ouh. Celui-là, normalement, même les Russes, ils craquent à ce moment-là, tu vois. Mais, ok. Il est temps de sortir. J'espère que vous êtes chaud. Il est temps de sortir la botte secrète. Non, 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 mettez non. Mettez deux pieds en canard. Non, 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 taisez-vous. En avant. Là, on passe le chercher avec la chimie, d'accord? Non, non. Allez! Va dans le public. Allez, venez! Va dans le public. Allez, viens, allez, venez! Allez, venez! Venez! Bougez-vous le cul! Allez! Dépêchez-vous! Venez ici, viens là! Dépêche-toi, viens faire la chimie! Voilà, voilà, venez! Allez, venez tous! Allez! Dépêche-toi! Allez! Voilà! Venez! Voilà! C'est ça le bleu! Mais arrêtez, vous vous mettez derrière. Allez, venez. Venez, les gens, ils courent. Allez. Voilà. Ils commencent à aimer, regardez. Allez. Regardez, ils sourient. Allez, venez. Mais arrêtez de courir, mon gars, une chenille. Allez, monte. Vous êtes filmé. Monte, Jérémy, monte. Non, non, je monte. Allez, monte. Voilà. Regarde. Regardez le en canard. Hop. Regarde, c'est que vite. 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 Vite, on vous attend. Très vite. Et voilà. Allez. C'est trop long, il y a trop de monde. Arrêtez. Mais arrête, il y a trop de monde. Dépêchez-vous. Dépêche-toi. Allez. Regarde-moi ça comme c'est beau. Vous avez quand même conscience que voilà, vous allez diffuser sur un prime où on vous a vu courir pour faire une chenille. Non, non, c'est pas tout, parce que c'est pas fini, je vais les garder pour les Crazy Signs. Les Crazy Signs, c'est au Club Med. J'ai pas fait tomber un poumon là-bas. Non. Les Crazy Signs, c'est au Club Med. Si vous allez voir, vous me suivez, d'accord? Quand je fais un truc, vous le faites après moi. Si je fais le canard fait coin-coin, vous faites... Vous vous appliquez. Hein. Vous pouvez aussi rentrer chez vous. Non, hein. Non. Vous avez payé. Vous avez payé 2 semaines, 15 000 balles. Vous êtes au Club Med. Vous allez vous amuser. Allez. Amusez-vous, hein. Joie, bonne humeur. Hein. Allez, au revoir. Attention. Et le canard fait coin-coin. Et le canard fait coin-coin. Et la poule fait cocotte. Et le serpent fait... Et le camion fait poit-poit. Super, la voiture fait broum-broum. Et une butte fait... Oh, oh. Et Jérémy fait la gueule. Putain, il fait la gueule. Ok, arrête. Ok, merci à tous. Allez, retournez à vos places. Merci. Merci, bravo à tous. Retournez à vos places. Check, retournez-vous d'asseoir. Allez, bravo. Bravo. Voilà. Ok, on se voit pour les jeux apéro à 19h. Hein. Allez, barrez-vous plus vite par contre. Hein. Allez, allez, allez. En tout cas, je pense que c'est unanime. Hein. La 9e édition, on a passé un step. Hein. Voilà. Tu vois, Jérémy, j'ai tout donné là. On a un peu tout fait avec les copains, tu vois. Et je t'avoue que je prends bien, mais ça commence un petit peu à me gonfler, en fait, tu vois. Je le dis gentiment, hein, je te le dis.
Parce que tu vois, on est là, on fait des efforts, les gens ils viennent te voir, je sais même pas pourquoi ils viennent te voir. Hein, peut-être parce que t'as tenté de te suicider, du coup ils disent, ah, si on y va pas, il va se foutre en l'air, tu vois, mais voilà. Non, non, je te le dis. Non, non, mais il y a un moment, non, il y a un moment, ça va, faut lui dire les quatre vérités aussi, hein. Excuse-moi. Spectacle de merde, je sais pas si vous l'avez vu, c'est de la merde, je suis désolé. Il te dit, ouais, 188ème standing sur 188, évidemment que les gens se lèvent, connard. 4 heures de spectacle, à la fin ils se lèvent, ils ont aucune envie. Ils ont aucune envie, c'est de se barrer, voilà, tu vois, ils sont vacants. Je suis désolé, il y a un moment. J'en peux plus en fait, j'en peux plus, tu vois. Comme les gens que tu produis, là, c'est ridicule, c'est la galerie des monstres, t'as Guillaume Batz, t'as. De... Excuse-moi, t'as Philippe Croizon, c'est quoi son talent? C'est de flotter, c'est un bouchon de Liège, le gars, le truc. Quoi. Non, il y a un moment, ça me gonfle, et l'autre, là, l'autre gamine, là, qui fout son bras dans le cul d'une peluche, c'est ridicule. T'es associé à l'autre grand con qui fait des émissions sur M6, là. Allez, les Brickmasters, on finit la tour, allez, les Brickmasters. Je suis désolé, il est ridicule, là. On va dire un gros micro, comme ça, là. Non, il y a un moment, ça va. T'as un garde du corps. Tu fais des sketchs sur l'homéopathie, t'as peur de quoi? Qu'il y a un naturopathe qui vient te dire « Oh, chez Rémi, c'est un peu violent, ce que vous dites. Vous voulez qu'on en vienne aux mains ?» T'es ridicule, voilà, je te le dis, je te le dis honnêtement, Jérémy. Tu fais des émissions de télé, enfin non, tu t'en fais presque plus, les seules que tu fais, excuse-moi, c'est celle de Ruquier. Pourquoi? Parce que tu le suces. Voilà, moi, je le sais, moi. J'ai pas peur de dire les choses, Jérémy. Oui, je le dis. Et puis, tu sais, Jérémy, je devrais pas te le dire, parce que je sais que ça va te blesser. Mais moi, je suis proche de tes proches. Je suis plus proche de tes proches que toi, t'es proche de tes proches. Et je peux dire qu'on a un groupe WhatsApp. Ouais. Qui s'appelle Jérémy, avec deux watts, comme ça, un de chaque côté. Il y a un doigt, Jérémy, un autre doigt. Et je vais te dire quelque chose, c'est que sur ce groupe, on n'a qu'une chose, on n'a qu'une envie tous, c'est que quand tu rentres le soir de ton bureau en scooter, on a envie de recevoir un petit message sur le groupe en disant « Les gars, Jérémy a chuté, il n'a pas survécu. » Ou mieux, il a survécu, c'est un légume. Et on le reçoit jamais, ce message. Moi, je suis là pour toi, Jérémy, ok? J'ai autre chose à foutre, moi, je suis dans le bureau des légendes, je suis acteur, je viens, je danse pour toi, je fais plein de choses. Tu sais quoi? J'en ai marre, ok? Donc maintenant, démerde-toi avec ton gars-là et va te faire enculer. Bien, il est temps d'accueillir la prochaine artiste de ce soir. Ventriloque de 14 ans qui met donc son bras dans le cul d'une peluche, hein, je crois qu'il l'a décrit comme ça. Mesdames et messieurs, il va faire un tonnerre d'applaudissements à Le Capucine.